rondelle dans la zone des 4. Sa passe interceptée par Tourigny. Et une passe pour Olivier Nadeau. Ça mène dans le territoire adverse. Nadeau au centre à Veillette. Veillette à Nadeau. Le tir et c'est l'arrêt incroyable du gardien Gravel. Le juge de but pensait qu'il y avait but. Et soin présentement parce qu'il est mal en point. Et le gardien auxiliaire du côté de l'Armada, c'est le trifluvien Olivier Leclerc, qu'on avait vu dans le match du 30 octobre. Ça va vers le coin, laisse derrière à Veillette, ça avance en clave. Veillette, un tir bloqué par Gravel, le retour. Canonica tire le but! Lorenzo Canonica appose sa signature sur ce match avant de partir au championnat du monde junior. Il récupère un retour de lancer, Claude. Je pense que Gravel a été déjoué. Il croyait que Canonica allait tenter une passe. À la pointe gauche pour Booth. Booth qui revient le long de la bande. Passe à Canonica qui est à l'aile gauche. Canonica à la ligne bleue, c'est à Booth. Booth, il va de lancer. C'est le but! Angus Booth, premier but de la saison pour le jeune défenseur de 17 ans. Ça arrive au bon moment pour les Cataractes, Claude, parce que ça gonfle l'avance à 2-0. Mais ça arrive au bon moment pour le jeune homme parce qu'il y a une armée de dépisteurs ici au centre Gervais Auto. Booth connaît un excellent début de saison, Claude. Au-delà de ses prouesses défensives, il avait 17 mentions d'aide avant le début de ce match. Là, il ajoute un premier filet, un tir des poignets qui avait des yeux. Il s'est promené dans la... Arrêté par Mascotte, dégagement réussi par les Cataractes. Et Nadeau va gagner sa course, va tenter de s'amener devant le gardien Gravel. Nadeau fait et le but! Olivier Nadeau. Ben, après deux buts en avantage numérique, les Cataractes en ajoutant un désavantage numérique. Un peu chanceux là-dessus, Nadeau, parce que la rondelle est passée par-dessus le bâton du défenseur à la ligne bleue, Claude. Mais n'enlevons pas le mérite au numéro 20 des Cataractes qui arrivait avec la vitesse pour mettre de la pression. Donc, lorsque la rondelle est devenue disponible, est allé en échapper complètement seul avec Gravel. Il le bat dans la partie inférieure du filet, 3-0. Et dans le cas de Nadeau, je suis content, Claude. Il agissait comme leader depuis. Il fait dévier chez l'adversaire. Jonca reprend son dégagement complété par Antoine Roy. Passe au centre pour Pinard en désavantage. La feinte, le tir. Quel arrêt d'Antoine Coulombe là-dessus qui préserve l'avance de 3 buts des Cataractes. Et Coulombe a gardé la rondelle juste un petit peu trop longtemps. Il y a arrêt de jeu dans le territoire des 4. Un petit peu d'insouciance pour l'avantage numérique des Cataractes là-dessus. Pinard avait réussi à se blottir derrière les défenseurs. A eu droit donc à un tête-à-tête. Avec Coulombe, il a tenté de battre. Les Cataractes, ça ne passera pas à l'histoire, cet avantage numérique, Shawinigan-Ganet. Là, d'autant plus que Pépin a cafouillé, Mick Lucas a tiré le but. Oh, 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 et quel but spectaculaire, Claude. J'invite les gens à aller voir la reprise. Mick Lucas, avant de diriger son tir vers Coulombe, s'est fait une passe à lui-même avec ses patins, Claude. Il avait la rondelle sur sa palette, l'a ramené dans ses patins, l'a ramené par la suite, ça l'a confondu. Antoine. Ça a touché l'extérieur. Veillette reprend dans le coin à droite. Passe à gauche à Ménard. Son tir sur le poteau à la droite du gardien Gravel. Quelle incursion de Ménard là-dessus. Peut intercepter la rondelle près de la ligne bleue. C'est resté dans le territoire adverse. Derrière le but, c'est Baudouin qui reçoit la passe. Envoie devant le but! Charles Baudouin. But extrêmement chanceux pour les Cataractes, Claude. Mais lorsque tu amènes la rondelle tout près du filet, ben, des bonnes choses peuvent arriver. Charles Baudouin tentait une transversale vers le Doux. Il était posté au coin gauche, le Doux était au haut de l'enclave à la droite. Sa passe a touché au défenseur devant lui. Canonica passe à gauche pour Veillette au centre. Pour Nadeau, ça va à la pointe droite. Denis tire le but! Lou Félix Denis. Claude, quelle passe transversale qu'on croyait destinée à Olivier Nadeau. Nadeau a tout été intelligent là-dessus. Claude a fait croire à Gravel que c'est lui qui a ramassé la rondelle. L'a laissé passer entre ses jambes vers Denis. Donc Gravel, l'hésitation a fait en sorte qu'il y avait un trou pour Lou Félix Denis. Un bon tir des poignets. Un autre but en avantage numérique. C'est 5-1. À gauche pour Canonica. À la ligne bleue, c'est à Pépin. A un peu de place pour manœuvrer. Passe à Mascotte qui est à la droite devant le fessé. C'est Deville. Zachary Massicotte. Autre but chanceux. Donc c'est le deuxième en avantage numérique. Deuxième passe transversale qui touche plutôt un joueur de l'Armada qui bat le gardien adverse. C'est une passe qu'on destiné à Charles Baudouin dans l'enclave. Il avait étiré son bâton, Claude, pour faire une déviation. Cette rondelle ne s'est jamais rendue à Charles Baudouin. Il a plutôt touché au patin du défenseur à côté de lui, Claude. Et c'est ce qui a... Par Coulombe, le retour qui est pris par Marek Doucet. Doucet a des avantages numériques. Ça mène à territoire adverse. Coupe vers le centre. Le but! Premier but en carrière pour Doucet dans la LHJMQ, Claude. Évidemment,
Le pointage de Claude s'est réglé, les deux points en jeu. Mais pour le jeune homme, toute une séquence. Non seulement il a débordé le défenseur devant lui, mais il a touché la cible par-dessus la grosse mitaine dans la partie supérieure du filet. Convaincu qu'il se souviendra longtemps de ce moment. Lui qui est eu normalement pour les Dragons du Collège de la Flèche. Très beau but de la part de Doucet.